Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get started, come on, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Ok, mettre ça comme ça, je pense que c'est cute. Bon, c'est tellement bizarre, ça fait un petit bout que j'ai pas vlogué, que j'ai pas fini de vidéo et que j'ai pas parlé devant ma caméra. Fait que je suis un peu gênée, on dirait que j'ai comme perdu l'habitude. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Et ben c'est ça, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau vlog. Je voulais aussi vous raconter un peu pourquoi j'avais arrêté de vlogger dans les derniers temps. En fait, c'est vraiment pas tant compliqué, là. Je l'avais déjà mentionné dans mes vidéos du début de l'année, donc janvier, février et tout, qu'à l'hiver, j'ai toujours un petit creux de motivation dû à la température, dû au fait aussi que à ce sens de l'année, je fais pas grand-chose. Fait que je dirais que j'avais comme pas envie de me forcer à genre vlogger des trucs juste pour vlogger. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai juste complètement arrêté de filmer des vidéos. Mais là, je suis full d'attaque pour recommencer. Comme vous avez vu, je suis sortie samedi passé. Je suis allée à la fête à Joe. C'était vraiment le fun. On est allé au restaurant. Après, on est allé au casino. Puis, on a fini ça à la Soca, où est-ce que mes amis ont genre tout décoré. Honnêtement, c'était tellement cool. J'aurais aimé ça plus vlogger, mais comme j'ai tellement pas filmé dans les derniers temps, j'ai vraiment comme perdu l'habitude. J'ai filmé des petits trucs avec mon sel parce que j'ai un nouveau téléphone. Mais vu que c'est comme pas le même cadrage et tout, en tout cas, je voulais pas nécessairement les mettre. Mais c'est ça. Là, ça m'a comme remis dans le bain. Ce vendredi, on fête la fête à Hello. Je pense que ça va être vraiment nice, donc c'est ça. Je voulais pas faire une intro full longue, je voulais juste faire un peu de chit-chat, question de me remettre dans le bain, puis de vous souhaiter la bienvenue dans le vlog. Donc je vais terminer ça maintenant pour ce soir. Puis si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Puis inquiétez-vous pas là, on est reparti. Donc allons-y! Je m'en vais chez elle en fait pour travailler sur mes designs graphiques puis passer la soirée avec elle. Fait que c'est ça, allons-y. On peut voir Mandy Licious en action. Ça c'est flou par contre. Hello! Hello! Unable to draw. Oh non! Hello, I'm going to go to the show.
penses-tu que ça s'est complété d'ici là, genre? Ben là, non, il y avait comme plein de billets. Tape-le, là, tape-le. Après, on va appeler. Le suspense me tue. Ding, ding, ding. Mandy F, you're going to see my watch live! Yes! We're going live! Congratulations, Mandy F. Your order unlocked $15 cash back and fees cheaper. Oh, wait, that's about right. Claim back. Claim back. I'm rich, bitch! C'est ça. C'est la Corona sans alcool. Paparazzi. Quoi? Bon, alors je sais pas si j'ai choisi le meilleur background pour filmer ça parce que je vais vous montrer mon petit outfit avant de partir. Dans le fond, je m'en vais au resto dans environ 20-30 minutes pour la fête à ma bébé. Comme je vous ai dit, c'est la fête à ma meilleure amie, Hello. Puis on s'en va manger au Café Parvis, puis après ça, on va au bar Furcot qui est comme la porte juste à côté, là, c'est genre les mêmes owners. Fait que ça va être vraiment nice, puis c'est ça, je vais vous montrer mon petit outfit. Alors, j'ai une camisole comme ça, j'ai un petit bustier un peu sexy que j'ai acheté sur le site Shein. Sinon, ma veste aussi comme ça, elle vient aussi du site Shein. Et je porte également des pantalons taille haute, c'est comme des jeans blancs
que j'ai acheté il y a comme 2 semaines au H&M, puis honnêtement, je suis genre en amour avec. Je les aime tellement. J'adore la coupe, je trouve qu'ils me vont quand même bien. Mais là, c'est ça, c'est pour ça que je disais que je sais pas si c'est le meilleur rang parce qu'on les voit pas full bien, mais honnêtement, genre, je les aime full. Je suis allée les chercher en noir tellement comme... C'est quand même rare, honnêtement, que genre, je trouve une paire de jeans qui me fit genre comme un gant, là, mettons. Donc, c'est ça, j'étais full contente. Et puis, voilà, comme je vous ai dit au début du vlog, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous vlogger la soirée. Je suis full down, j'ai full hâte, alors allons-y. Ok, un petit décor avec les paniers. Ah, j'ai vraiment de changer de stress. J'ai donc fait son décor. Là, j'étais comme, ouais. Yes, ça. Merci à Cléo. Just another moment to say it's very nice. Yeah, is this me? Yes. C'est quoi? Oh, c'est chou! Can we guess? You wish for amazing friends. We already have them. Do I stop filming? Do you want me to stop filming or just leave you here? John. Oh, my heart just fall.
Bébé. Safe to say. Tu viens t'en ici. I'd rather be alone than to be here. Surrounded by faces that look so familiar, but I can't place them. C'était vraiment drôle. J'écoute une émission qui s'appelle Ugly Betty. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est genre une émission qui jouait dans le début des années 2000. Puis c'est vraiment drôle. Là. C'est comme full léger et tout. Mais anyway, je voulais vous faire une petite outro à ce vlog. Parce que, ben comme vous avez vu, vendredi, je suis allée à la fête à Hello. C'était vraiment nice. Puis hier, j'ai fait le montage des petits extraits, dans le fond, de qu'est-ce que vous venez de voir. Puis j'ai réalisé que, ben, c'était pas full long, mais genre, si dans les prochains jours je veux vlogger ou whatever, mettons vendredi si je sors puis je veux vlogger, je pense que ça va être un peu long pour faire un vlog complet du mois d'avril, fait que je pense que je vais faire deux parties. Je vous avais dit, je suis vraiment revenue dans le vlogging game. Honnêtement, ça fait vraiment du bien de recommencer à vlogger. C'est sûr que qu'est-ce que je vous montre, c'est surtout quand je sors avec mes amis, t'sais, je vous montre un peu moins mon quotidien. Parce que, to be honest, comme, je suis vraiment bien, tu sais, mon petit appart, je fais mes petits trucs et tout. Mais j'ai l'impression, mettons, quand je recheck des fois des vlogs, que les petits segments, que je suis tout seule, que je vous montre, des fois, c'est un peu pas boring, mais tu sais, c'est pas la partie la plus intéressante. C'est pas que je veux pas vous les montrer ou que je vais arrêter de vous les montrer. Je vais toujours faire des petits... Voyons, excusez-moi, mes cheveux sont dans ma bouche. Mais... Non, c'est ça, je vais toujours comme continuer à vous les montrer un petit peu, mais je veux pas que ça soit le main de mes vlogs, parce que je trouve que c'est pas pertinent. Puis c'est aussi, tu sais, comme je fais aussi beaucoup des vlogs pour avoir des souvenirs, puis tu sais, comme, mes souvenirs, c'est surtout avec mes amis que je veux garder, le fait. Anyways, assez de blabla, je voulais vous faire mon petit outro. Moi, je vais finir ma petite émission ce soir et je vous laisse là-dessus. Je sais que je me répète, mais si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, ben, on se retrouve dans la partie 2 du vlog d'avril ou ça va être le mois de mai, je ne sais pas. On verra. Ciao! Stuck in this predictable city. No one knows my story, but they talk.